Bien, je pense qu'on a le quorum. Bienvenue à Olivier Mouton et à Gaëtan Vecchio. On va pouvoir démarrer. Alors, en communication, pour les absents, sont absents ayant donné procuration. Madame Spire à Monsieur Guérin, Monsieur Godig à Monsieur Pellegrini, Monsieur Illyrim à moi-même, Monsieur Brem à Monsieur Loer, Madame Klein à Madame Bettinger, Madame Bouchenka à Madame Muller, Madame Nassiri à Monsieur Chalal, Monsieur Wojciechowski à Monsieur Atmania, Monsieur Mouton à son départ à Monsieur Vecchio, et Madame Maté à Madame Becker. Sont absents excusés sans procuration. Madame Bourratia. Vous trouverez. Alors, tout d'abord, je tiens à retirer un point qui est le point numéro 19, qui concerne le rapprochement de certains services de la ville à la mutualisation des services de ressources avec la CCAS. Le projet vous sera soumis le 23 septembre au prochain conseil. Il y a eu des ajustements encore ce matin au CT pour affiner le dossier, et il n'était pas tout à fait selon l'avis des organisations syndicales. Il manquait quelques précisions, donc on va travailler dessus et on vous le repropose le 23 septembre. C'est la date prévue pour le prochain conseil. C'est bien ça, madame? C'est ça. Voilà. Notez-vous le 23 septembre. Vous trouverez également un point supplémentaire, si vous en êtes d'accord de le tenir. En fait, c'est un point modificatif de quelque chose où on a débattu, il me semble, le conseil dernier. C'est la convention de mise à disposition du personnel ville à l'ASBH pour le centre social. On est également dans une convention où il a fallu revoir certains termes. Donc je vous propose de repasser cette convention maintenant bien validée. Alors, point numéro 1. Oui. Ah, donc très bien. En point numéro 1, foncier. Cession d'un terrain communal situé rue de la Piscine à la SCI La Piscine, annulation d'une délibération. C'est M. Elfenstein qui a la parole. Merci, M. le maire. Alors, par délibération du 11 décembre 2017, point numéro 29, le conseil municipal avait décidé de la cession des parcelles communales situées rue de la Piscine et cadastrées section 32, numéro 393, 394, 243, 245 et 381, à madame Séverine Ruchot, ayant son siège social 5 rue de la Piscine à Saint-Avold. Alors, par courrier du 30 juillet 2020, l'intéressée a fait savoir qu'elle renonçait à cette acquisition. De ce fait, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 au point numéro 29 envoyé au contrôle de légalité le 14 décembre 2017, réceptionné en préfecture le 14 décembre 2017 et affiché en mairie le 14 décembre 2017. D'annuler la délibération du 10 décembre 2018, point numéro 16, envoyé au contrôle de légalité le 12 décembre 2018, réceptionné en préfecture le 12 décembre 2018 et affiché en mairie le 12 décembre 2018. D'annuler la délibération du 9 octobre 2019, point numéro 13, alors réceptionné en préfecture le 14 octobre 2019 et affiché en mairie le 14 octobre 2019. D'autoriser Monsieur le maire à céder ce bien à toute autre personne qui en ferait la demande ou d'y réaliser un projet communal. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Pascal. Avant de passer au point 2, on me fait remarquer, c'est vrai, je suis allé un peu vite. Vous avez également vu dans vos documents que vous avez reçus les procès-verbaux des séances du conseil municipal. Ils arrivent maintenant, donc du 31-7-2020, du 4-8-2020 et du 8-10-2020. Est-ce que vous avez des remarques ? Oui, M. Atmania. Oui, Monsieur le maire, j'ai lu en diagonale, je vous avouerai, les procès-verbaux que vous nous avez fournis, mais j'y ai noté quelques erreurs. D'accord. Si vous me permettez, jusqu'à la prochaine séance, pour vous les faire parvenir, de façon à ce qu'on puisse les valider le 23 septembre. Volontiers, oui, merci. Je vous remercie.
Bien, nous pouvons donc passer au point numéro 2, qui est la continuité avec le point 1, donc cession d'une emprise communale située rue de la Piscine. Oui, alors par délibération du 11 décembre 2017, donc le point numéro 29, le conseil municipal a autorisé la cession des parcelles communales cadastrées cession 32, 393, 394, 379, 243, 245 et 381 situées rue de la Piscine à Madame Séverine Ruchot, gérante de la SCI La Piscine, en vue de la réalisation d'un lotissement. Toutefois, la commune a fait savoir à l'intéressé qu'elle envisageait une autre destination aux parcelles en question. De ce fait, Madame Ruchot a renoncé à cette acquisition et par conséquent à son projet. Cependant, Madame Ruchot a tout de même sollicité l'acquisition d'une emprise foncière communale d'environ 954 mètres carrés sous réserve d'arpentage, alors à l'arrière de sa propriété située rue de la Piscine, afin de disposer d'un espace vert. La municipalité a accepté cette requête et a proposé à Madame Ruchot un prix de se décomposant comme suite, sachant que l'estimation domaniale du 18 novembre 2020 s'élève à 21,50 euros le mètre carré. L'euro symbolique pour une surface de 694 mètres carrés, donc c'est pour compenser les frais engagés pour la réalisation du lotissement facture à l'appui, et dans la mesure où une buse Armco traverse le terrain, le rendant inconstructible. Alors le prix des domaines, soit 20,50 euros le mètre carré pour 260 mètres carrés, soit un total de 5 590 euros. Vu la volonté des parties de renoncer à la transaction autorisée par le conseil municipal du 11 décembre 2017, point numéro 29, vu l'acceptation de la nouvelle proposition de cession de la commune par la requérante, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent donc de céder à la SCI de la Piscine, représentée par Madame Séverine Ruchot, dont le siège social est situé rue de la Piscine à Saint-Avold, une emprise d'environ 954 mètres carrés à détacher des parcelles d'origine cadastrées, section 32, 387, 394, 379, 243 et 245, de fixer le prix de cession à un euro symbolique pour une surface de 694 mètres carrés et 21,50 euros pour le mètre carré pour une surface de 260 mètres carrés, soit un prix de 5 590 euros conformément à l'estimation du domaine du 18 novembre 2020, payable comptant à la signature à l'acte de vente. D'inscrire une servitude non édificandi, c'est-à-dire non constructible et non sylvestrie, donc pas d'implantation d'arbres sur la parcelle cédée en raison de la présence d'une buse Armco dans le fond du terrain, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et intervenir au plus tard le 30 juillet 2022 et de le charger plus généralement à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant, qui est donc l'attribution d'une bourse initiative. Monsieur Pellegrini, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Par délibération du 27 février 2002, point numéro 8, et du 12 avril 2018, point numéro 6, le conseil municipal instituait l'action bourse initiative et adoptait des modalités d'attribution de la participation financière ci-dessous. Des bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans, à l'aide plafonnée à 500 euros, n'excédant pas 50% du coût total du projet. Après avis favorable des commissions compétentes, votre Assemblée est appelée à approuver le principe de recondition d'attribution de la contribution financière précédemment citée. L'attribution de l'aide financière versée directement au studio d'enregistrement sur présentation de la facture soutenant le projet décrit ci-après. Monsieur Safir Mustapha, projet culturel, création d'un album musical de 23 titres. Participation financière, 500 euros. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021, chapitre 65-90-65-74. Subvention de fonctionnement aux associations et autres interventions économiques. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de rire. Fais voter. Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Alors, point suivant, point numéro 4, subvention, subvention au titre de l'équipement des associations sportives locales pour l'année 2021. Madame Bétinger, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des politiques publiques partenariales, l'État, par le biais du Centre national de développement du sport, la région Grand Est, le conseil départemental de la Moselle et d'autres partenaires accordent des subventions au titre de l'équipement des clubs sportifs et des associations. Vu l'avis de la commission permanente du conseil départemental de la Moselle lors de sa séance du 8 mars 2021, vu les demandes de subventions des clubs sportifs, vu les dispositions réglementaires en matière de subventionnement et le règlement général d'octroi des subventions d'État et des collectivités territoriales, vu l'instruction du dossier et les avis favorables de la commission des sports et de la commission des finances pour une participation financière au montant subventionnable non selon la nature de l'achat, précisant que le montant total des subventions publiques ne peut excéder 80% du montant TTC de la dépense totale, considérant la politique de la sportive de la ville et l'intérêt général des clubs sportifs, des associations à se doter d'équipements aux normes de fédération, il est proposé au conseil municipal de verser une aide financière selon le tableau ci-dessous, d'autoriser M. le maire à signer le cas échéant toute convention et document afférent à cette opération d'investissement. Bah, du coup, pour le club Nabourien de rugby, c'est pour un achat de véhicules de 9 places d'un total de 26 523,50 €. Les subventions accordées par le département s'élèvent à 40%, donc 10 600 €, et de la ville à 30%, donc 7 957 €. Pour l'Athletic Club de Saint-Avold, c'est un matériel d'athlétisme pour 334 €, 40% de subvention de la département de la Moselle pour un montant de 130 €, 30% de la ville de Saint-Avold pour un montant de 100 €. Pour le cercle de billard français, c'est les achats de 3 thermostats pour le billard pour un montant de 396 €. Il y a 40% de subvention du département, 150 € et 30% de la ville, donc 119 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 sous l'imputation 204-401 20 421 à l'aide de l'équipement des associations sportives matérielles. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Atmania. Oui, merci. Alors, je prends bonne note hein, des propositions que vous nous faites et évidemment, comme ça en va dans le bon sens, je voterai ces subventions proposées. Je me permets simplement, évidemment, vous vous en doutiez, monsieur le maire, de regretter les décisions que vous avez prises cette année en termes de refus de subvention de fonctionnement aux associations. Je pense que si votre décision est légalement inattaquable, hein, puisque ça ne fait pas partie des compétences obligatoires de la collectivité, il y a un problème de forme véritable, que je crois vous avez vous-même reconnu. Les associations devaient être prévenues d'une autre manière, une concertation devait être mise en place, je pense que chacun en est d'accord, et surtout une prise en compte au cas par cas, en particulier des difficultés des dites associations doit être aujourd'hui la règle en termes d'attribution de subventions. C'est pas normal après une année déjà difficile en période Covid qu'on mette en difficulté certaines associations alors qu'elles vont devoir redémarrer en septembre et avoir besoin pour cela de trésorerie. Donc je tenais tout de même à vous faire part de mon opposition par rapport à cette décision que vous avez prise collectivement et en espérant qu'à l'avenir d'autres modèles de communication avec nos associations puissent être adoptés. Alors, je vous remercie. Alors je vais bon, on va pas le commenter longtemps, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires et autres. Effectivement, je vous le redis encore une fois, sous la forme, c'était pas la meilleure. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, moi le premier. Maintenant, on est bien d'accord aussi que c'est du cas par cas. On ne va pas mettre des associations en difficulté. L'année a quand même, les années, il s'agit de 2 années, sont quand même particulières. Et la discussion est naturellement ouverte, comme je l'ai dit. Toutes les associations qui ont de projets réels, de besoins, elles ne se ressemblent pas toutes. Elles n'ont pas toutes fonctionné de la même façon. Et évidemment, venez vers nous, c'est comme ça que ça a été fait, et le travail est en cours. Et on viendra vers vous le plus rapidement possible, avec peut-être en une fois, si on arrive à traiter tous les dossiers, sinon c'est en 2 fois d'ici la fin de l'année pour attribuer les subventions aux associations qui en ont besoin, qui ont des projets réels, avec des finances, avec un...
un projet financé. Il ne s'agit pas seulement de dire, alors je le redis, des associations. Un chef de service me dit, j'ai vu des demandes de subventions, vous savez comment elles ont été remplies. C'était marqué une phrase, la même chose que l'année dernière. Voilà, ça il faut éviter, il faut qu'on soit tous responsables, les élus et les associations, et il faut qu'on travaille ensemble intelligemment avec les problèmes financiers, matériels et organisationnels. On va découvrir encore comment ça va se passer avec les contraintes qu'on nous met de vérification de passe sanitaire sur les manifestations qu'on veut faire. Donc oui, il y aura bien des subventions, mais c'est, comme vous le dites, c'est du cas par cas en fonction des besoins et des projets. Voilà. Donc, on peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Donc, Monique, tu gardes la parole pour le remboursement des inscriptions au dispositif Mercredi Sport. Merci, Monsieur le maire. Au cours de l'année 2020-2021, le service des sports a mis en place le Mercredi Sport à l'attention des enfants âgés de 6 à 15 ans. Ce dispositif devait permettre aux enfants de découvrir des activités sportives à travers 3 cycles d'initiation de 10 ans chacun. En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et des différentes restrictions imposées par le gouvernement, le Mercredi Sport n'a pas pu se dérouler dans les conditions initialement prévues. Pris l'avis favorable des commissions de sport et des finances, il est proposé au conseil municipal de rembourser les familles uniquement sur demande écrite selon le barème suivant. De la période du 16 septembre au 16 décembre 2020, il y avait 11 séances de prévues, 5 ont été mises en place. Pour un tarif de 20 euros par cycle, nous proposons de rembourser 50% du montant de l'inscription. Du 6 janvier au 6 mars, il y avait 10 séances de prévues, 2 ont été mises en place. Nous proposons 100% du montant de l'inscription à rembourser. Et pour du 31 mars au 11 janvier, il y avait 11 séances de prévues, on a eu 9. Il n'y aura pas de remboursement. Le montant total estimé du remboursement s'élèverait à 987,50 € et serait imputé sur le compte 673, fonction 403. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Une petite précision pour les remboursements, et je regarde Mme Schweitzer. On a encore un dossier qui est le conservatoire où il faudra aussi passer bientôt une délibération pour rembourser les frais qui ont été engendrés et faire en sorte que ce qui a été les cours qui ont été donnés correspondent à ce qui est facturé. Donc il y a une grosse réflexion là-dessus. Oui. Donc voilà, point suivant, donc on est dans le culturel, dans l'attribution de subventions pour Radio Saint-Nabord. Merci, monsieur le maire. La commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée sa proposition d'attribution de subventions pour l'exercice 2021 pour Radio Saint-Nabord. Le détail figure sur l'état annexe qui prévoit, comme les années passées, l'octroi de subventions de fonctionnement normal et de subventions ponctuelles. Crédit prévu au budget primitif 2021 sur le compte 65/0232-6574. Alors, effectivement, c'est une, je dirais donc, le montant est de 12 800 €, et il est composé de 5 000 € pour l'achat d'un nouvel émetteur. Alors, cet émetteur leur avait déjà été promis l'année dernière, et malheureusement, on n'a pas pu aller dans leur sens, et on leur a promis qu'on le mettrait au budget cette année. Donc, 5 000 € pour l'achat du nouvel émetteur et 7 800 € de compensation pour le loyer annuel. Donc, y a-t-il des questions? Je fais voter. Voilà, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté. Merci. Point suivant, point numéro 7, forêt communale de Saint-Avold, avenant au programme d'exploitation réalisé en forêt communale durant l'exercice 2021. Monsieur Héninger, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le 8 octobre 2020, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts à Metz a soumis au conseil municipal un état prévisionnel des coupes et un programme de travaux d'exploitation réalisé en 2021 en forêt communale de Saint-Avold.
l'état des prévisions des coupes concernées les parcelles 11U et 13U, un devis de travaux d'exploitation pour un montant estimatif de 6 193,01 €, soit un montant de 7 431,61 € TTC, a été voté par l'Assemblée délibérante pour une recette de 7 956 €. Néanmoins, lors de ces travaux d'exploitation sur les parcelles subvisées, de nombreux arbres dangereux ont été identifiés en limite de chemin balisé. La situation sanitaire actuelle concernant l'invasion de scolytes et la sécheresse à répétition lors des étés chauds ont été considérablement fragilisées. Certaines essences d'arbres, l'Office national des forêts a été dans l'obligation d'abattre rapidement les arbres qui présentaient un danger. Le coût de cette exploitation supplémentaire s'élève à 2 786,03 € hors taxes, soit un montant de 3 343,24 TTC. Les recettes pour l'ensemble de ces exploitations s'élèvent à 12 064,59 € pour le bois d'œuvre et environ 2 000 € pour le bois d'industrie, qui fera l'objet d'une vente prochaine, soit une recette supplémentaire liée à cet avenant d'environ 6 000 €. Votre commission de l'environnement a examiné favorablement cet avenant et vous invite à la valider. Et chargé, monsieur le maire, de l'exécution de la présente délibération, étant entendu que les crédits sont prévus au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Serge. Point suivant, travaux civicoles, on est toujours en forêt, donc dégagement manuel et régénération naturelle de chênes pour l'exercice 2021. On a une année assez particulière, hein, c'est ça Pascal? C'est ça, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts à Saint-Avold attire notre attention sur la nécessité d'intervenir rapidement donc sur la parcelle numéro 2A de la forêt communale pour des travaux de dégagement manuel de régénération naturelle des chênes. Il précise que les semis des chênes sont très fragiles et qu'une intervention est absolument nécessaire pour les sauver. Il souligne notamment que le chêne est l'essence qui résiste actuellement le mieux au réchauffement climatique. Alors, par conséquent, il vous est proposé aujourd'hui d'adopter les devis de travaux civicoles relatifs au dégagement des chênes à effectuer sur les parcelles 2A pour un montant de 5 309,88 €. Alors, de charger monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits sur le compte 011/83-31.61-524. Alors, effectivement, on l'a vu dans le point précédent que notre forêt est malade, et là, c'est une chance, puisque actuellement, on a pas mal de jeunes pousses de chênes, quoi. Hein. Donc, sur les 40 dernières années, d'après le responsable de l'Office national des forêts, c'est que la deuxième ou troisième fois qu'on a ces pousses actuellement. Donc il faut vraiment en profiter, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Alors, si? Oui, merci pour cet exposé. Alors, vous comprenez que depuis quelque temps, je suis très sensible aux coupes d'arbres. J'y prête une attention plus importante, même si je dois l'avouer, je suis plutôt profane dans le domaine. Est-ce que je me posais simplement par rapport aux deux délibérations que vous nous avez présentées, est-ce que vous avez avec l'Office national des forêts un plan pluriannuel de coupe, ou est-ce que les choses se font vraiment année par année, ou est-ce que vous avez une prévision à 5 ans, à 10 ans, à 3 ans, j'en sais rien. La question étant simple, est-ce qu'on répond à un danger ou à une problématique de forêt malade quand on le repère, ou est-ce qu'on a un plan de repérage? Enfin, bon, j'aimerais bien savoir un peu comment ces choses-là fonctionnent, parce que évidemment, on peut s'interroger. Évidemment, vous l'avez compris, je fais référence aux coupes d'arbres qui ont eu lieu rue du 27 novembre, de savoir un peu comment ces choses-là se passent, pour quelles raisons elles se passent, et comment est-ce que les décisions sont prises. Voilà. Alors effectivement, on voit qu'avec le scolip, donc on le prend année par année, quoi. Hein, donc c'est là qu'on commence à couper les arbres. Hein, la forêt est malade actuellement, donc c'est un programme qui est fait tous les ans, quoi. Hein, tous les ans. Alors au sujet encore, ben, donner justement, je peux vous répondre sur le 27 novembre. Sur le 27 novembre, nous avons pris j'ai pris la décision, et j'en ai parlé aussi, monsieur le maire, de délaguer ces arbres, enfin de
couper ces arbres 27 novembre. Pourquoi ? Parce que ces arbres donnaient déjà sur la route, donc il y avait danger, et les arbres ont été quand même, l'ONF a quand même regardé, et donc ces arbres étaient malades. Ils avaient les champignons, d'autres arbres étaient carrément creux déjà à l'intérieur, donc il a fallu prendre une décision. Pourquoi ? Parce que quand on a enlevé tous ces arbres malades, plus ceux-là sur le bord de la route, il ne restait que quelques-uns qui avaient une prise au vent. Donc là, on ne pouvait plus les laisser non plus, et pour moi, il y avait un danger de ce côté-là. Donc une vie humaine est quand même plus importante que certains arbres. Donc là, il fallait choisir, et le choix était vite fait. Ah. Si je peux peut-être compléter, il y a deux choses. Le programme d'exploitation, quand j'étais adjoint à l'environnement, il s'est allé sur une période de 10 ans. Un arbre, ça vit plus de 100 ans. Donc le programme est fait sur 10 ans. Et donc il est proposé, il est refait tous les ans, mais il y a bien un programme, comme disait Pascal, c'est tous les ans, mais on est sur une longue période de gestion. Après, les deux délibérations qu'on vient de passer là, on est un petit peu dans l'exceptionnel, en fonction de la maladie des arbres et d'une année exceptionnelle de régénération de pousses. Mmh. Ça, c'est une chose. L'événement de la coupe d'arbres du 27 novembre, je reprends les termes peut-être d'un président d'association, ça nous a peut-être permis à nous de prendre conscience que à l'avenir, il faut travailler avec ces associations. Il faut absolument prendre conseil, même si on a pris conseil, mais on est toujours plus averti quand on est plusieurs. Et je me suis engagé, et avec Pascal, on s'est engagé de se mettre régulièrement autour d'une table pour un certain nombre de projets qu'on a à la ville. Voilà, donc la main, les deux mains sont tendues en disant, écoutez, travaillez ensemble, on a besoin de votre expertise. Merci pour ces explications complémentaires. Juste une question en complément que je me posais. J'avais entendu à une époque, et je sais que c'est la doctrine dans de nombreuses communes, une doctrine que je trouve bonne d'ailleurs, qui est simple et que j'aimerais bien adopter moi-même, à savoir un arbre coupé, un arbre replanté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez à votre tour adopter? Puisqu'évidemment, alors je suis d'accord avec ce que disait M. Elfenstein, entre une vie humaine et un arbre, je comprends bien. Après, il ne faut pas non plus caricaturer et donner des accents. Il y a des procédures qui ont quand même été zappées là-dessus. On était à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé. Dans ces cas-là, il faut une autorisation qui n'a pas forcément été demandée. Enfin, bon, encore une fois, on a toujours et encore un souci de forme. Et là, il faut un peu se professionnaliser, je pense. Mais je pense que cette doctrine-là du « un arbre coupé, un arbre planté », quand on est en 2021 avec les soucis climatiques qu'on connaît, ça pourrait être un beau message que la ville de Saint-Avold enverrait. Alors, ça existe déjà, mais on n'est pas dans une règle « un arbre coupé, un arbre planté ». Je pense qu'on plante plus d'arbres qu'on coupe. Effectivement. Oui. Effectivement. Après, c'est vrai que sur un secteur, si je prends l'exemple, à l'entrée de la cité Jeanne d'Arc, quand ce petit contournement de cette petite boucle de sécurité a été faite, il nous avait été imposé de replanter les arbres coupés. On n'en a pas planté autant à cet endroit-là, simplement parce que pour des mesures d'aménagement, on ne pouvait pas en planter autant, mais ils seront plantés ailleurs. On en a planté, mais pas l'équivalent de ce qui a été coupé. Donc c'est peut-être pas forcément au même endroit. Mais on a un beau programme, et notre action cœur de ville prévoit des plantages. Enfin, on va en parler, je pense, ça va se concrétiser, puisqu'on a fini dans les études. On a fini les études. On passe maintenant dans la phase de réalisation, et là aussi il y aura, je peux pas dire combien, mais il y a bien le parc des tanneurs, il y a un certain nombre de choses qui vont se concrétiser, et là il y aura une ville plus verte, donc plantation d'arbres également en ville. Oui, juste pour terminer, donc au 27 novembre, effectivement, là on va replanter aussi, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point numéro 9. Concours des jardins ouvriers pour 2021. Donc des cartes cadeaux. Hein. C'est M. Hélinger qui va nous en parler.
Dans le cadre des plus beaux jardins ouvriers à Saint-Avold, Macherenne, Petit et Berzuller, le jury désignera 15 lauréats en totalité. La commune de Macherenne délivre 7 prix de 50 euros valables auprès des commerçants de leur commune. La ville de Saint-Avold délivre 8 prix de 50 euros aux lauréats valables auprès des commerces de Saint-Avold, à savoir l'hypermarché Match et la maison Point Vert. En vous exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et des finances invitent le conseil municipal à approuver conformément aux conditions subvisées l'attribution de bons d'achat et cartes cadeaux aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions ? Passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien, point suivant. Alors, c'est quelque chose qu'on attendait depuis, depuis longtemps. Gaëtan Vecchio et son équipe y ont travaillé. Donc, c'est la participation au fonctionnement des nouvelles MAM. Gaëtan, tu as la parole. Ah non, c'est pas toi, c'est Monique. C'est Monique, pardon. Merci, monsieur le maire. La ville de Saint-Avold souhaite soutenir au travers d'une aide au démarrage à l'investissement les projets d'une création et d'installation de nouvelles MAM, maisons d'assistants maternels sur la commune. Les assistants maternels ont la possibilité d'exercer leur profession dans un lieu différent de leur domicile. Cette modalité d'exercice professionnel introduite par la loi numéro 2010-625 au 9 juin 2010 permet à plusieurs assistants maternels agréés de se regrouper au sein d'un même local. Un local partagé avec un projet d'accueil et un règlement interne commun offrant une façon différente d'exercer le métier d'assistant maternel. Chaque assistant maternel a une autorisation d'accueil spécifique pour l'exercice de la profession de la MAM délivrée par le service de PMI du département de la Moselle, accueille 4 enfants maximum en fonction de son autorisation et de la capacité du local, et responsable des enfants qui lui sont confiés par contrat avec les parents employeurs. À noter qu'une MAM n'est pas un mode d'accueil collectif. Il n'y a pas de direction. Les assistants maternels ne sont pas interchangeables. Il est proposé au conseil municipal, en conséquence, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir verser une aide de fonctionnement au démarrage par l'attribution d'une subvention de 500 euros pour les MAM qui s'installeraient dans la commune et qui en feraient la demande. Cette dépense sera imputée sur le budget 2021 des affaires sociales, chapitre 65, dans la limite de 2000 euros par an. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci, Madame Bétager. Il faut garder toujours la parole pour le point suivant, qui est la revalorisation des tarifs de la restauration scolaire pour la maison de la petite enfance 2021-2022. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et des responsabilités locales, vu le décret numéro 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, compte tenu de l'augmentation des prix des matières premières, mais également notre volonté d'introduire encore plus de produits biologiques dans les menus, et après avoir pris l'avis de la commission des affaires scolaires et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs ci-dessous et d'autoriser monsieur le maire à signer les avenants nécessaires. Alors, pour la restauration scolaire, le repas régulier passerait à 4,80 €. Pour les repas occasionnels extérieurs et adultes, à 8,40 € et pour les repas allergiques, à 2,70 €. Pour la maison de la petite enfance, les repas des moins de 18 mois passeraient à 4,60 €, les repas des plus de 18 mois à 4,80 €, les repas adultes à 6,10 €, les goûters pour les moins de 18 mois à 1,60 € et les goûters pour les plus de 18 mois à 1,40 €. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Atmania ? Oui, merci. J'ai vu dans la délibération que vous indiquez votre volonté d'introduire plus de produits bio, ce qui est bien. On arriverait à quel taux de produits bio ? Je sais pas, de mémoire, on était à 15%. C'est quelque chose comme ça. On était à ça. Oui. Bon, il y a encore du boulot, quoi. Alors, je crois qu'il y a de gros efforts à faire de ce côté-là, mais on est quand même contraint par les marchés publics. Je pense que quand le bio se généralisera davantage, les prix seront alors déjà plus abordables, mais c'est peut-être pas une question de prix, il y aura peut-être plus d'offres. Aujourd'hui c'est très limité, et ceux qui répondent, et on n'a pas toujours des réponses au marché que l'on fait.
Alors, c'est justement, si vous me permettez, la deuxième question que je me posais, parce qu'on parle de produits bio, mais on ne parle pas forcément de circuits courts. Oui. Et ça, c'est aussi une thématique, parce que je me dis que dans tout ça, il y a aussi du transport, il y a, on parlait des arbres tout à l'heure, impact écologique, enfin, bon, il y a toutes ces questions-là, donc le fait, et on a, on le sait, quand même des... Et Tony va peut-être me répondre. Oui, oui, il veut la parole, il va compléter. Voilà. Donc, si je peux avoir des éléments là-dessus... Oui. Merci Christian, merci Monsieur le Maire. Simplement, c'est vrai que sur la question de la restauration scolaire, elle est en pleine réflexion. Donc au jour d'aujourd'hui, la ville doit effectivement réfléchir à l'amélioration de son équipement, de la structure. Donc on est en train de réfléchir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop bougé les choses au niveau des affaires scolaires. Les collègues l'ont bien travaillé dessus. Le chef de travail, le chef de service travaille également sur cette question-là. Donc au jour d'aujourd'hui, la priorité, c'est de poursuivre le service, essayer d'améliorer, mais surtout dès 2022, de se positionner clairement sur l'évolution de cette restauration scolaire sur la ville. Donc effectivement, une étude sera lancée, et puis à ce moment-là, effectivement, on verra effectivement les circuits courts, on verra l'approvisionnement, et on verra également la distribution. Simplement, il y a juste une petite chose qu'il faut juste peut-être rectifier, c'est qu'aujourd'hui, la maison de la petite enfance a pris un autre fournisseur que celui de la ville. Voilà, simplement, on a maintenu les mêmes tarifs, puisque du coup, elle peut revenir dans le circuit de la municipalité, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en questionnement sur la question de l'approvisionnement, de la restauration au niveau de la jeunesse. Mais c'est une vraie question que tu poses, Tristan, et effectivement, elle est posée de manière générale au sein du service. En sachant également, bon, on est quand même lié à des contrats en cours. Il me semble qu'ils ont été renouvelés il y a un peu plus d'un an pour 3 ans. Donc ben, ça nous permet d'avoir une réflexion complète. On peut passer au vote ou il y a encore des questions? S'il n'y a pas d'autres questions d'autres... Non, c'est bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Atmania. Merci. Bien, point suivant qui est l'actualisation du règlement intérieur de la restauration scolaire. Et là, Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le code général de la collectivité territoriale, vu le code de l'action sociale des familles, vu le décret de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, vu l'article 82 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative à la liberté et responsabilité locale, considérant la nécessité d'actualiser le règlement intérieur pour les usagers de la restauration scolaire afin que les repas puissent être pris dans de bonnes conditions, considérant que le respect des installations et du matériel nécessite les rappels de quelques règles élémentaires, discipline, d'hygiène et de sécurité, pris l'avis favorable de la commission des affaires scolaires du 28-05-2021, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement 6 juin, annulant le précédent. Voilà. Donc y a-t-il des questions ou qu'il les joint en annexe derrière? Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. Alors, point numéro 13, programmation de la saison 2021-2022 et validation du programme. Donc là, on est sur le centre culturel. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. La programmation de la saison culturelle 2021-2022 est établie et il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'adopter les tarifs de la billetterie et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif aux spectacles programmés. Pour l'organisation des spectacles relevant de la programmation exclusive du centre culturel, les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021. Article 11/0-7042 pour les dépenses, article 70/0-7062 pour les recettes. Donc par rapport aux tarifs par spectacle, pour précision, le tarif réduit s'appliquera sur présentation d'un justificatif aux scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, personnes de plus de 60 ans, titulaires de la carte famille nombreuse, les comités d'entreprise et partenaires, les groupes d'au moins 10 personnes. Le tarif moins de 18 ans s'appliquera, comme son nom l'indique, sur présentation d'un justificatif aux personnes de moins de 18 ans.
Et concernant le spectacle de danse Pietra Gala, La femme qui danse, le prix de la place sera proposé au tarif de 28 euros pour les associations de danse et les écoles de danse. Donc on tenait à mettre un petit peu en avant ce spectacle pour tous les gens qui ont rapport avec la danse. Donc le tarif normal est de 38 euros et on le passe à 28 euros pour toutes les associations danse et écoles de danse. Le tarif abonné. Donc les bénéficiaires du tarif abonné sont les personnes achetant en une opération au minimum 3 spectacles différents de la saison culturelle. Ils seront alors nommés abonnés et ils pourront bénéficier du tarif abonné tout au long de la saison pour d'autres achats éventuels. Les abonnés ne peuvent, en revanche, acheter qu'un seul billet au tarif abonné par spectacle. Il est précisé, en cas d'annulation d'un spectacle, le remboursement interviendra sur la base du tarif fixé lors de l'achat du spectacle. Plein, réduit, moins de 18 ans, abonné ou tarif association, à condition que la demande de remboursement soit formulée au plus tard 3 mois après la date du spectacle. En cas de report de spectacle, les billets restent valables avec possibilité de remboursement sur demande dans un délai maximum d'une semaine avant la date de report. Par rapport à la vente, les ventes des spectacles de cette nouvelle saison culturelle pourront débuter après la validation du conseil municipal. Le tableau récapitulant les spectacles de la saison figure ci-après. Donc, ce que je peux dire par rapport à la programmation, on a récupéré 11 spectacles de la saison 2020-2021 qu'on a réussi à reporter. Et on a souhaité en rajouter 8, ce qui fait une programmation riche pour l'année 2021-2022. On l'a souhaité comme ça pour essayer de redonner un petit peu de force à notre centre culturel. On l'a voulu aussi intergénérationnel. Donc je pense que dans la programmation, tout le monde saura s'y retrouver. Et je ne vais pas reprendre tout. Vous avez le tableau, donc je ne reprendrai pas tous les spectacles. Y a-t-il des questions? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté. Merci Madame Schweitzer. Point suivant qui est l'avenant à la convention entre la ville de Saint-Avold et l'association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons. Je tiens peut-être à rajouter, j'avais déjà formulé le vœu que le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration se mette en place après les élections municipales. Maintenant il y a eu les élections départementales, les membres de droit sont le maire et les conseillers départementaux. Il serait temps quand même maintenant qu'on mette en place les nouveaux administrateurs. Je ne pense pas que en raison du Covid, en soi encore, on a encore des contraintes énormes à ne pas pouvoir assurer une assemblée générale, parce qu'ailleurs ça se fait. Donc le message est lancé, il devient urgent maintenant de mettre en place les nouveaux administrateurs. Bien. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc cet avenant, vu l'article L221-29 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2001-496 du 6 juin 2001 pris par l'application de l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, vu le projet d'avenant à la convention du 19 juillet 2017 annexé à la présente délibération, vu la délibération en date du 4 août 2020, considérant que la ville souhaite confirmer, et c'est ce que vous venez de dire, monsieur le maire, son partenariat avec l'association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons par sa contribution au fonctionnement de l'association. Considérant que le souhait de la municipalité de mettre en place un dialogue de gestion, ce qui n'a pas été le cas toute l'année et l'année précédente, ainsi que l'élaboration d'un projet d'établissement annuel, ce qui est demandé d'ailleurs y compris par le département de la Moselle, comme tout à chacun le sait, en lien avec les dispositions légales en vigueur, bilan, diagnostic, axe de projet, contrat d'objectif annuel, projet pédagogique, fiche action. Il vous est proposé de modifier l'article 1 et 2 de la convention liant la ville de Saint-Avold et l'association en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons comme suit. L'article 1, je dois lire tout le... Je lis tout ?
en avez pris connaissance ? Vous en avez pris connaissance ? Ah, oui. D'accord. Voilà, donc il vous est proposé donc de valider l'article 1 et l'article 2 aujourd'hui par vote. Y a-t-il des questions ? Monsieur Atmanir. Oui, monsieur le maire, merci. Alors, plusieurs points et remarques. Le premier, qui est un point orthographique, dysfonctionnement, prend un Y et pas un I, ce qui fait quand même tâche. Ça, c'était le premier point. Pour le reste, je suis interloqué par plusieurs choses. Alors, que vous souhaitiez qu'un nouveau conseil d'administration se mette en place, avec des membres de droit qui sont clairement là... Tout ça me semble très normal. Ce qui m'interroge d'une part, c'est que dans la durée de la convention que vous nous proposez, vous nous indiquez qu'elle prendra effet à la date du 1er juin 2021. Nous sommes le 15 juillet. Oui. Donc ça serait bien de ne pas faire de rétroactivité. On réajuste en fait. Oui, oui, voilà, monsieur. De corriger ce point, ça c'est déjà une chose. Et ensuite... si vous voulez, moi ce que j'ai à cœur, c'est qu'à un moment donné, les personnes âgées qui habitent cette résidence-là et qui fonctionnent grâce à cette association, qui vivent grâce à ces associations, vivent dans des conditions optimales, que ça se passe bien pour elles, qu'elles aient des activités, etc. etc. Donc, si l'établissement de projets, bilan, diagnostic, axes de priorité, contrats, d'objectifs annuels sont des choses très concrètes et pas de la paperasse pour de la paperasse. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi, et il faut quand même en être conscient, un fonctionnement d'un équipement, d'une association, avec non plus pas 95 permanents, ça il faut en être conscient aussi, et qui... pour moi, est plus important qu'il soit au contact des personnes âgées, présent pour s'occuper d'elles, plutôt qu'à faire des bilans d'objectifs, des plans d'action prioritaires, et je ne sais quoi encore comme grande paperasse administrative. Voilà. Donc, que tout ça se passe et tout ça se fasse 100%, qu'il y ait un renouvellement dans la gouvernance parce que c'est tout simplement les textes qu'il prévoit, c'est normal aussi, mais qu'on soit dans des choses qui permettent à l'association de fonctionner sans être entravée et sans volonté de bloquer pour bloquer. Encore une fois, vous en doutez, j'ai pris mes renseignements, il est pour moi anormal qu'on nous présente une convention au conseil municipal dont les termes n'ont pas été soumis au moins en permanent de la dite association. Que vous soyez en désaccord avec la gouvernance de l'association, moi je l'entends, hein, je n'ai pas de souci avec ça d'ailleurs, mais que vous nous présentiez une convention qui n'a au préalable pas été envoyée à l'association, c'est anormal. Vous le savez d'ailleurs, vous avez été adjoint aux assos. Enfin bon, voilà, on a déjà discuté de ces points-là. En règle générale, le principe c'est le suivant. L'association adopte la convention proposée par la ville en conseil d'administration ou en organisation délibérante, et ensuite on la vote en conseil. Là on fonctionne à l'envers, et vous savez très bien pourquoi on fonctionne à l'envers. Donc, tant que l'intérêt de l'assos et des usagers est préservé, 100% d'accord, là je vous le dis, ça ne me semble pas être le cas. Je pense qu'il y a soit un formalisme excessif, soit une volonté d'entraver ci ou ça, en tous les cas, un loup dans cette affaire que je ne peux pas cautionner. D'accord. Alors, rassurez-vous, on a tous, je pense, ici le même objectif, c'est que les résidents de cette maison soient le plus à l'aise et aient tout le confort, l'accompagnement qu'il faut. Alors, non, on ne fait pas les choses à l'envers, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contact. Alors, attendre qu'ils viennent vers nous, pas encore, ça fait un an que j'attends. Ça fait un an que j'attends, ce n'est pas faute d'avoir demandé. Alors, faisons les choses, alors, vous dites à l'envers, peut-être à l'envers. Alors, prenons-nous les choses en main, et si on est d'accord sur la convention, on va la soumettre au conseil d'administration. Je ne vois pas où ça gêne, et elle sera... effectivement adopté quand les deux conseils, le conseil municipal et le conseil d'administration, les auront validés. Juste, si vous me permettez, moi j'entends ce que vous dites, mais comprenez, moi je me mets à la place de la SOS. Hein.
J'en suis pas membre au demeurant, mais quand je vois préambule de la convention, l'examen des dernières demandes de subvention présentées par l'association laisse apparaître un dysfonctionnement entre les relations, la communication et l'absence de dialogue de gestion entre la ville et l'AFPA. Cela oblige la ville à questionner, à clarifier certains points de cette convention. Moi je suis vous, avant de faire voter un point au conseil municipal, j'envoie un courrier avec AR en disant écoutez, voilà, il y a des dysfonctionnements clairs, il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes convoqué en mairie, on se met autour d'une table, on examine les dysfonctionnements, soit on peut les résoudre dans le cadre de la convention actuelle. C'est pareil, encore une fois, une problématique de fond, donc je vous ai parlé du 1er juin, vous dites la présente convention est conclue pour une durée de 6 mois. Oui. Pour moi, c'est pas logique. Oui. Soit on part sur quelque chose de structuré, de concret, qui a été négocié avec la SOS, qui a été validé, auquel cas, nos problèmes, et même avec les membres de la future gouvernance, ça me paraît logique. C'est pas le cas, et ça me pose un problème. Là, ça me pose un problème. Ok. Monsieur Vécu va compléter. Alors, on est tout à fait en phase, hein. On parle exactement de la même chose. Tristan, c'est le bien-être avant tout des usagers qui nous intéresse, et le format administratif, c'était vraiment la chose secondaire pour nous, puisque du coup, depuis un an, on est face à une direction que je rappelle professionnelle, pas bénévole, une directrice qui est payée parce qu'elle a une mission à accomplir. On ne s'adresse pas de la même manière à cette association-là qu'au club de pétanque, qu'au club de foot. On a un salarié, il est professionnel, il connaît ses droits, ses devoirs, et à un moment donné, il est garant lui-même, parce qu'il est nommé directeur ou directrice, du bon fonctionnement et de la réussite de son association. La gouvernance au-dessus, si effectivement on va appeler un chat, il n'y a pas de relation, tout doit être fait en concordance pour que les usagers n'en pâtissent pas. Ça a été le cas de la ville, on n'a pas bloqué la subvention, on a continué à assumer notre rôle sans faire en sorte que les usagers en pâtissent. Aujourd'hui, on arrive à un instant T administratif où il est temps de se remettre en ordre de bataille, en mouvement. Un nouveau conseiller départemental a été nommé, donc effectivement la gouvernance devrait changer. À partir de là, on ne fait qu'appliquer une chose très très simple, c'est de se remettre autour de la table et d'avoir ce dialogue de gestion. On ne l'a pas aujourd'hui, on espère l'avoir demain. Mais en tout état de cause, la ville n'a pas bloqué le fonctionnement, n'a pas bloqué le financement, donc tout est fait dans les règles de l'art. Simplement, c'est la bienveillance des usagers qui nous intéresse, mais à long terme, pas à court terme. Tout simplement. N'ai aucun doute là-dessus. Mais je rassure encore une fois, on a le même objectif, c'est clair. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, comme il l'a dit, et il faut y aller. Il faut arrêter de s'accrocher. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point numéro 15, donc, qui concerne une convention d'accompagnement avec le Conseil d'architecture urbanisme de l'environnement. Alors, c'est une convention à passer avec le CAUE. On est un petit peu dans le projet cœur de ville. On met une couche, je résume, hein, sans lire, hein, je pense que vous avez pris connaissance, je résume un peu. On est dans l'amélioration de l'habitat du centre-ville, qui a besoin d'un coup de jeune. Il y a bien sûr le dispositif cœur de ville qui accompagne avec le CALM aussi, hein, puis on y rentre aussi, qui aide au traitement des dossiers, qui aide à des financements, et nous avons la volonté pour notre centre-ville bien d'apporter une aide supplémentaire. L'aide supplémentaire, elle est accompagnée par un bureau qui examine les demandes. Vous avez des chiffres de la convention qui dit qu'elle est... alors, si je prends les chiffres de la convention qui est de... On vient à la convention qui est... Je viens à l'essentiel. D'un montant de contribution de 3 500 euros pour faire l'inventaire et ensuite sur les années qui suivent, hein, sur les années qui suivent pour le suivi des dossiers de 6 000 euros par an. Donc ça c'est pour le traitement des dossiers. Nous avons inscrit à notre budget
un montant de 50 000 euros pour venir en aide complémentaire à ce que donne déjà le projet Cœur de Ville, de venir en aide, une aide complémentaire à tous ces projets, afin que notre centre-ville ait un aspect bien plus agréable, et que c'est juste une pierre de l'édifice dont on est en train de travailler, et on est dans Cœur de Ville, et on a eu, le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours que le projet Cœur de Ville qui s'arrêtait dans la mise en œuvre, mais que ce qu'il allait être prolongé de 2022 à 2026. Donc c'est un gros chantier, c'est un des plus gros chantiers de notre mandat, et bien au-delà, ça va métamorphoser notre ville, ça va, on l'espère, relancer. C'est l'envie de tout le monde, hein, créant une spirale positive et de relancer le commerce. Le tourisme, c'est un tout, donc nous faisons un effort de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a cette convention pour accompagner les projets et une enveloppe de 50 000 euros pour accompagner le financement de ceux qui souhaitent renouveler leur bâtiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention. Merci. Point suivant, point numéro 16. Donc, c'est entre la ville de Saint-Avold, le CCAS, et la reprise de l'activité du relais d'assistante maternelle, le RAM. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci. Le centre communal d'action communale de Saint-Avold, le centre communal d'action sociale de Saint-Avold est un établissement public administratif régi par le dispositif, par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, qui a pour mission d'animer et de coordonner sur le territoire communal nabourien la mise en œuvre des politiques sociales à destination des familles, des enfants, des personnes âgées, des administrés les plus fragiles. L'activité petite enfance est une des composantes gérées par le CCAS. Elle se traduit dans le fait par la gestion du relais assistante maternelle que l'on appelle les RAM. La ville souhaite reprendre l'activité petite enfance dans le champ de ses compétences à compter du 1er août 2021 afin de développer une politique de la petite enfance sur la ville de Saint-Avold. Cela se traduira notamment par l'intégration du RAM au sein des services municipaux. Cela permettra aussi de conforter le CCAS dans sa mission première opérateur municipal de l'action et du développement social pour les nabouriens les plus démunis. L'intégration du RAM se fera dans le strict respect des engagements pratiques et modes de gestion mis en œuvre jusqu'ici par le CCAS. Elle s'effectuera à effectif constant et sans incident dans les personnels transférés qui ont la garantie de la neutralité de ces changements sur leur situation individuelle. Concernant les biens mobiliers mis à disposition du RAM par le CCAS, ils seront par voie de convention intégrés à titre gracieux dans le patrimoine de la ville de Saint-Avold. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'action sociale et des familles, vu l'avis du comité technique, vu l'avis des commissions de finances, considérant la volonté municipale de reprendre l'activité petite enfance intégrant le RAM dans son organigramme, considérant que le conseil municipal doit délibérer sur la création de ce service municipal conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité de garantir la continuité de l'activité petite enfance autorisant la ville de Saint-Avold à se substituer au CCAS dans tous les contrats et marchés nécessaires au fonctionnement et à la poursuite de cette activité comme du service concerné. Le conseil municipal vous invite à approuver le principe d'une reprise de la ville de Saint-Avold à l'activité petite enfance, approuvé au compte à compter du 1er août 2021 la création au sein des services de la ville de Saint-Avold du service de la petite enfance gestionnaire du RAM, acter l'intégration fonctionnelle des services de la ville du RAM, autoriser la ville à se substituer par voie d'avenant si nécessaire au CCAS dans les contrats, marchés ou conventions nécessaires à la continuité et au fonctionnement de l'activité RAM, autoriser la ville de Saint-Avold à percevoir toute recette liée à la petite enfance et à compter du 1er août 2021, dire que le CCAS reversera toute recette liée à la petite enfance qui sera perçue à compter du 1er août 2021, autoriser la ville de Saint-Avold à appliquer à compter du 1er août 2021 les tarifs petite enfance actuellement en vigueur au CCAS, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes ou documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des questions ?
passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. Monsieur Lauer, pour un point important, et une bonne nouvelle pour l'année 2021 par rapport à 2020, donc qui est la révision libre de l'attribution de compensation. Donc je vous donne la parole pour ces explications. D'accord, merci Monsieur le Maire. Donc l'article 16.09 anonyme C du Code général des impôts permet à l'EPCI, à l'EPIC de réviser librement les attributions de compensation versées aux communes membres à condition que trois critères soient remplis. À savoir, une délibération à la majorité des deux tiers du Conseil communautaire sur le montant révisé de l'AC, que chaque commune intéressée délibère la majorité simple sur ce même montant révisé d'AC, et que cette délibération vise le dernier rapport élaboré par la commission locale d'évaluation des charges transférées. Afin de permettre à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergis, donc ASAS, de réviser librement les attributions de compensation versées aux communes membres, le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce principe. Vu l'article L2121-29 du CGCT, vu l'article 16.09 du Code général des impôts, vu le rapport de la CLEC du 29 avril 2019 joint à la présente délibération, vu l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'adopter dès cette année et après compensation par la CASAS des attributions de compensation négatives en les considérant comme nulles, le montant global annuel de 15 418 315 euros réparti comme suit. Donc je ne vais pas vous énumérer l'ensemble de la liste, je pense que chacun en a pris connaissance, mais en fait, en ce qui nous concerne, pour la ville de Saint-Avold, il y a donc une indemnité de 10 221 861 euros à percevoir. En vertu de ce qui précède, le conseil municipal est donc invité à autoriser la modification des attributions de compensation à verser par la CASAS aux communes membres conformément à la répartition présentée ci-dessus. Y a-t-il des questions ? Et merci, vous avez parlé d'une bonne nouvelle, donc j'attends le montant de l'année dernière. On était à 9 millions et, madame, 9 millions et quelques. Hein. Oui, il y a pratiquement 1 million de différence, hein, c'est ça ? 900 000, hein, 900 000 de mémoire, 900 000 euros de différence. Bon, ben, voilà, c'est pareil pour les autres villes, hein, ils ont réajusté, ils ont revu leur copie et ils sont repartis sur les données pour le calcul de l'année 2019. Bon, bah très bien, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais faites attention, monsieur le maire, vous avez plus pouvoir dire qu'il n'y a plus d'argent. Ah, maintenant, vous commencez à en avoir. Mais nous vous commencez à en avoir pas mal. Nous étalons nos dettes, il faut les payer. Bon, moi, écoutez, ma foi, c'est bien. Bien, je soumets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Pascal. Point suivant. Qui est donc le fonds de participation aux habitants et la participation, la quote-part de la ville, donc ce FPH, alors dont monsieur Godig parle tout le temps puisqu'il en a, il l'a géré très longtemps quand il était président du CIA. Donc vous avez la parole, monsieur Vecchio. Merci. Donc, le fonds de participation des habitants donc émarge donc à la politique de la ville. Donc, il y a toujours une quote-part de la part de l'État transmise via donc la CASAS et la quote-part de la ville pour les actions à hauteur égale. Donc, généralement, c'est 1 euro de l'État, 1 euro de la collectivité. Voilà. Par délibération du 16 novembre 2021, le CCAS a acté son émergement à la politique de la ville et plus particulièrement au fonds de participation des habitants, article 3 du règlement du FPH. Le FPH est un outil d'aide à la réalisation de projets émanant uniquement des habitants dans les quartiers inclus de la politique de la ville. Son fonctionnement doit être régi par un règlement qui définira ses modalités de gestion. Le financement est basé sur un cofinancement. Entre l'État, politique de la ville et la commune à part égale. Pour l'année 2021, l'enveloppe affectée par l'État au fonds de participation des habitants est versée au CCAS et de 7 000 euros. Afin de respecter le principe de cofinancement de ce fonds de participation des habitants du conseil municipal, est invité aujourd'hui à approuver la participation financière de la ville au FPH à la mise en place par le CCAS à hauteur de 7 000 euros
pour cette année. Vu l'avis de la Commission des finances, considérant la volonté de la ville de Saint-Avold de soutenir les actions et les initiatives des habitants du quartier inscrits dans les dispositifs politiques de la ville de l'État, le conseil municipal est invité à approuver le principe de fonds de participation des habitants mis en place par le CCS afin de soutenir les initiatives du quartier politique de la ville. Dire que la participation de la ville sera de 7 000 euros afin de respecter le principe de cofinancement de la ville de Saint-Avold, décider du versement d'une subvention au CCS de 7 000 euros au titre de sa participation au financement du fonds de participation des habitants, dire que cette subvention sera imputée au compte 65, 65, 73, 62, 520 qui représente les disponibilités suivantes. Y a-t-il des questions ? Oui, merci. La question est simple sur... alors, bien évidemment, je soutiendrai, hein, mais c'est sur la façon dont, après le versement par la ville, le CCS chargera de ventiler ses subsides. Voilà, notamment le modèle d'attribution, est-ce que ça sera par une commission, est-ce que ça sera en conseil d'administration ou autre ? Oui, alors, il y a deux choses. On attendait la création du conseil citoyen, donc qui est acté. On a effectivement, dans l'urgence, validé trois projets, donc un comité provisoire. Donc il y a un projet d'achat de livres pour une école Carrière Venec, un projet d'achat de matériel pour une des écoles Carrière Venec également, toujours à la demande des habitants, d'accord, puisqu'il n'y a pas d'association support, donc c'est le CCS qui fera donc l'achat et mettra à disposition des écoles le matériel et la formation d'un BAFA pour un jeune qui est en cours. Voilà, donc maintenant le conseil citoyen étant créé, un comité de gestion sera créé, un règlement a déjà été validé d'attribution, avec une note aussi qui permettra de faire le bilan et tout cela peut être transmis en aucun souci. Hop, la finale, donc c'est qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point suivant qui est le point numéro 20 et la modification du tableau des effectifs. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc le maire informe l'Assemblée, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision a été soumise à l'avis préalable du comité technique du 15 juillet 2021. Considérant le transfert de compétences du relais d'assistante maternelle à la ville et de ce fait le transfert de l'agent affecté à ce service, le tableau des effectifs doit être modifié. Considérant la liste d'aptitude des agents de catégorie A du centre de gestion de la Moselle, considérant que les crédits sont prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, le maire propose à l'Assemblée la modification du tableau des effectifs, la création d'un emploi d'éducateur de jeunes enfants, d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc, y a-t-il des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, Madame Guérin. Donc, point supplémentaire qui est la convention de mise à disposition de trois personnes de la vie associative de notre foyer du Venec à l'ASBH, à l'organisation que l'ASBH qui vient d'entrer en fonction avec un programme, c'est très bien. C'est très bien. On fera un bilan à la fin de l'année. Donc cette convention, elle est sur 6 mois. Elle est uniquement sur 6 mois. Alors je ne sais pas. Je suis en train de présenter le point, mais je ne sais pas du tout qui c'est qui le présente. C'est Madame Guérin. Bah, je t'enlève les. Vas-y. Tu as la parole. D'accord. Alors, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret 20-08-580 du 18 juin 2008, vu l'article 1 du décret du
18 juin 2008 relatif à la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, vu la délibération du 10 juin 2021, point 22, concernant la convention d'objectifs et de financement entre la ville de Saint-Avold et l'ASBH, considérant que depuis le 6 juillet 2021, l'ASBH a la gestion du centre social Carrière Vénec pour une durée de 6 mois, considérant qu'il s'avère nécessaire de modifier la convention de mise à disposition de personnel auprès de cette association, considérant que les agents concernés ont souhaité cette mise à disposition en faveur de l'ASBH qui a donné son accord, la durée de la mise à disposition de ces agents est valable jusqu'au terme de la convention de gestion du centre social entre la ville de Saint-Avold et l'ASBH, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Vu l'avis du comité technique du 15 juillet 2021, ainsi que compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser la mise à disposition des trois agents de la ville au profit de l'ASBH, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition correspondantes. Donc y a-t-il des questions ? Non. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, merci Madame Guérin. Voilà, ça s'achève ce conseil municipal. Je vous donne rendez-vous au 23 septembre. En attendant, ben, pour ceux qui prennent des vacances ou ceux qui prennent des repos, du repos tout simplement. Bon repos, bonnes vacances, portez-vous bien. On a d'ici là une grosse fête le 28 août. Là, on est en train de préparer. Hein, je fais un petit. J'en parle en deux mots. Il faut maintenant qu'on s'ajuste. Hein, la fête foraine, comment on va la gérer ? Avec les nouvelles mesures de contrôle des règles sanitaires. Donc c'est un gros travail et rapide qui doit se faire pour voir comment on s'ajuste. Mais donc pour ceux qui seront rentrés avant, je vous donne déjà rendez-vous à cette belle fête qui est en cours d'organisation, de finalisation. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous rencontrerai, enfin qu'on se reverra, je pense, à ce moment-là. Donc, bonnes vacances à tous. À bientôt. Merci.